Mr. Le Breton. Je suis favorable, moi aussi, à ce texte. Beaucoup d'amendements qui ont été déposés sont d'ailleurs très intéressants et permettent de l'améliorer. Je trouve que l'intérêt de ce texte est bien mis en relief déjà dans la version initiale du texte ainsi que par certains amendements, la lutte contre la contrefaçon, l'information des consommateurs, l'intérêt économique qui s'attache tant au tourisme que ce texte permet de favoriser qu'à la protection du chiffre d'affaires des entreprises européennes, également l'intérêt pour la relocalisation de certaines entreprises, donc la lutte contre une concurrence internationale déloyale, tout ça est très positif. J'observe que certains amendements tendent à préserver les protections nationales, et je crois que c'est important de les respecter lorsqu'elles sont efficaces. L'harmonisation, c'est bien, mais il ne faut pas que ça sombre dans l'uniformisation. Donc c'est le sens d'ailleurs d'amendements que j'ai déposés, c'est les amendements 17 et 45. La définition de ces indications géographiques protégées en matière non agricole devra être claire et précise. Et donc je pense que la version initiale qui faisait allusion à une définition extensive devra être corrigée par les amendements de compromis. Il y a également des dangers auxquels il faut faire attention. Je pense qu'il ne faut pas étendre cette nouvelle protection à des signes ou à des symboles non textuels, ce qui me semble un peu dangereux. Ce serait peut-être aller trop loin. Il vaut mieux avancer progressivement. Je pense qu'il faut faire attention également à la protection qui s'étendrait à des noms non géographiques. J'ai déposé en ce sens l'amendement 38. Là encore, dans un souci de prudence. Et puis, je rejoins Madame Rosière sur l'idée que l'harmonisation totale avec les indications géographiques protégées en matière agricole est à proscrire. Je pense que là encore, ce serait prendre le risque de bouleverser un système d'IGP qui a déjà fait ses preuves et qu'il faut laisser, je crois, tranquille puisqu'il donne satisfaction.